Ça peut revenir souvent, mais c'est bon signe. Des fois, il y a plein de choses qui sont secouées autour de nous. On sent de l'agitation, de l'inconfort. Et des fois, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne contrôle rien de l'extérieur. Il y a toute chose qui part en sucette. Et j'ai eu cette pensée, vraiment, qui dit, lorsqu'on est dans une situation de crise, c'est pour accueillir un changement. Donc, si vous vous trouvez dans une situation où rien ne va, en fait, dans tous les domaines de votre vie, mais c'est parce qu'en fait, vous êtes dans une saison où tout est en train d'être secoué pour amener une transformation, quelque chose qui va vraiment vous changer intérieurement et extérieurement. Et quand on est changé surtout à l'intérieur, quand il y a un ménage qui se fait à l'intérieur, on a de la place en fait pour les choses bonnes de Dieu, les choses extérieures et les choses qui vont vraiment le glorifier. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose de bon, quelque chose de glorieux en fait. Il y a une crise qui a été préparée pour vous puissiez accueillir ce changement. Si en fait, si vous êtes dans un sentiment en fait d'incompréhension totale, tout vous dépasse, riez. Riez parce que Dieu a quelque chose de doux, mais vraiment de glorieux pour vous. Il faut se réjouir. Il faut vraiment comme rire. Vraiment rire de ce qui est en train de se faire. C'est un truc de dingue, une dinguerie. Il y a quelque chose de dingue qui est en train de se faire. Est-ce que vous voulez le célébrer après coup ou pendant le changement? Moi, perso, j'ai envie de danser même quand le bateau est agité. J'ai envie de danser même s'il y a la pluie, il y a la tempête. J'ai envie de danser pour montrer que je sais qu'après coup, il y a quelque chose de glorieux qui m'attend. J'ai envie de danser. En fait, il y a un son que je surkiffe. Mais un son, mais vraiment, je surkiffe. C'est... Au revoir, hier. Je vis dans la lumière. Je vis dans la lumière d'un nouveau jour. Je ne veux plus perdre mon temps, perdre une minute dans l'ancien chemin, dans les anciennes choses. Donc, je vais vraiment louer le Seigneur parce que je suis née de nouveau. Et à un moment, il y a un passage qui dit, je danse sur la tombe où j'étais, où j'habitais, que j'habitais autrefois. Donc je danse sur la tombe où j'habitais autrefois. So, moi là, moi Julie, ce soir, nous allons louer le Seigneur, mais à fond. Nous allons danser sur cette tombe. Vraiment, non, pour de vrai. Danser sur cette tour. Pour de vrai, j'ai envie de danser, mais un truc de ouf. J'ai envie de danser. Donc, dansons. Dancing on the grave that I once lived in.